pour la thune, tu dis allô. Allô. Je suis pas leur maman. Ici les putains fait beaucoup, toi de fils c'est violent. À mon arrivée en France, j'ai beaucoup galéré, beaucoup souffert. Et j'ai été trouvée par plein de maisons de disques qui m'ont dit « Retourne chez toi, haïtienne, on te veut pas ici en France. » Et j'ai tellement rencontré de l'égoïste, des gens qui voulaient beaucoup plus de me donner. Même moi, je suis devenue égoïste à un point. C'est où je suis devenue comme eux. J'avais un objectif en tête, je voulais apprendre le français et créer de la musique en France et faire de la musique en français. Et moi, je vais travailler jusqu'au bout pour arriver. Si Colin get maman, yo, ah non, j'suis pas leur maman. Ici les putains fait beaucoup, trop de fils c'est violent, égoïste. En général, Canis représente plusieurs caractères. Tu sais, elle est la bosseuse, elle est la femme de maison, elle peut peindre, elle est designeuse, elle fait la direction créative de ses projets, elle est dans la mode, elle a le concept du clip qui était « Tu veux tout, ben je peux être tout. Si tu veux tout, je te donne tout, mais en même temps, un petit. » Le chakra rouge, ce qui représente égoïste sur ce projet, c'est le chakra racine. La cupidité, l'avidité, l'égoïsme, l'excès, tout ça c'est le chakra rouge débalancé, pas équilibré. Cette chanson, je voulais pas parler du côté négatif, mais en même temps d'adresser ça. Je pense que c'est un des plus gros problèmes sur cette terre. Ouais, même Boniska, attendez. De retour à Paris, c'est des entrevues, c'est le studio, c'est rencontrer des amis que j'avais, des potes à moi. Maintenant que je suis de retour, un an plus tard, je pense que c'est l'heure. J'ai pris une autre pause pour vraiment prendre du recul, travailler le projet. On a quasiment fini, bientôt, on va sortir le B. Égoïste, le nouveau titre, je pense que c'est que le début. Ça va arriver très 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 loin.